Yo, salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, une vidéo sur laquelle je suis super hypé parce que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais c'est une vidéo que j'ai grave envie de faire. Parce que bah, je suis trop un petit coup, je suis trop un fanboy les gars. Aujourd'hui on va faire un opening de cartes Pokémon les gars. Let's go! Alors c'est une vidéo un peu spéciale comme d'habitude, il y a un petit challenge. Alors premièrement, vous avez vu, j'ai pu améliorer les réglages en ce qui concerne la webcam, donc je suis super content. Voilà, parce qu'avant c'était un carré, tu vois, c'était genre que ça. Et c'était grave casse-couille, il faut le dire, j'aimais pas du tout le rendu. Du coup, j'ai trouvé une solution, en fait, j'ai juste changé les réglages. Je savais pas le faire, maintenant je sais le faire. En ce qui concerne la Trainer Elite Box, donc ça m'a coûté 50 balles, ok? Et comme d'habitude, si la vidéo marche, j'en ferai d'autres. L'objectif c'est de rentabiliser, en fait, cette merde, ok? Donc 50 balles dedans. On va aller regarder justement dans le pack en question. On peut voir quand même. Alors, je sais que c'est pas le meilleur site pour le truc. En fait, vraiment, c'est au dernier moment. J'ai cherché un site où il y a un petit peu de la revente de cartes Pokémon. Donc, on va partir dans l'idée aujourd'hui que c'est celle-ci. En sachant qu'en plus, petit bémol, attention spoiler, c'est un pack anglais. Donc, bon, c'est pas bien grave, mais on va du coup en prendre en référence aujourd'hui les cartes Pokémon françaises. Donc, on peut voir quand même qu'il y a quand même des belles cartes, hein, il faut le dire. Un Giratina V à 250, un petit Terra, un petit Pikachu, etc. Donc, il y a quand même des cartes assez pas mal. Voilà, surtout, wow, putain, Scolossandre, je kifferais l'avoir, je kiffe Scolossandre, surtout sa version ultime là. Donc, on va se fier par rapport à ça, ok, pour savoir si je suis rentable ou non. Du coup, bah écoutez, let's go, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va commencer par ouvrir cette merde. Hop. Putain. Ça, c'est pour séparer les trucs, ok. Alors du coup, dedans, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 boosters de cartes Pokémon. Voilà, dedans, et dedans, il doit y avoir 250 balles. Dedans, j'espère qu'il y a 250 balles. Moi, je te dis ça. Je dis rien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a d'autres cartes. Ça, je sais pas, c'est quoi? Peut-être des énergies. De toute façon, on regardera tout ça en heure et en temps. Les petites protections. Alors ça, j'avais peur en fait que y en ait pas dedans. Du coup, je voulais en acheter à part, mais du coup, ça tombe bien qu'il y en ait. Comme ça, au moins, on pourra les mettre directement dedans. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je sais pas, c'est quoi? Les cartes bizarres. C'est pas grave. La fameuse carte avec le code, mais ça je vous le donne pas parce que vous savez quoi, à chaque fois je suis allé sur des vidéos pour essayer d'avoir le code pour gratter des boosters sur le jeu en ligne, et à chaque fois c'était trop utilisé. Du coup là je garde celle-ci pour moi un jour quand je pourrai jouer, parce que c'est cool quand même d'avoir des petits trucs. Là t'as des petits goodies. Donc là t'as des dés, ok, c'est sympa. T'as un petit pins, V-Stars, ça je vais mettre ça sur mon frigo. Et t'as les petits les petits trucs là pour mettre les effets de statut. J'en ai rien à foutre, enfin, du booster, ça va plus belle direct. La fameuse carte, let's go. Et là du coup, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Je sais pas comment faire en fait pour filmer. C'est vrai que j'y ai pas pensé quoi. Alors fais voir, on va regarder ça ensemble quoi. Alors on a le petit fantôme. Ah ouais putain, c'est malaisant. Merde. Ouais. Ouais. Alors ça doit être ça en fait, la grosse carte de la. C'était Krelf. Putain, je suis vraiment nul quoi. On fait voir. Fais voir, c'était quoi la. Ah putain, mais attends. Ok, du coup les deux cartes, entre guillemets, donc t'as la reverse, c'est du coup c'est le petit poisson là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite c'est ça, c'est la rare qu'on a eue. Putain, c'est vrai que ça. Ouais, du coup ça c'est la rare qu'on a eue, donc bon, c'est pas fameux, hein. On va plutôt faire ici, je pense. Hop. Archéomir, Blizzy. Comment ça s'appelle cette merde? Lipoutou. Tyranitar, je crois. Gougou, Chartor, Ronflex, donc ça doit être lui le rare. Ouais, petit Ronflex. Mais bon, je pense que ça vaut pas de ouf. Ça, on s'en fout. Luminéon. Ça, je sais pas c'est quoi, et ça, c'est quoi. Machoper. Machoper, il est stylé. Il est en mode, il prend la pose et tout.
Je crois qu'en fait, ça, c'est des. C'est le pack de cartes de. Il suit en fait. Ah putain. Alors, Rocabo, je crois qu'il s'appelle Otaria. Enfin, je vais essayer de mettre un petit peu plus proche de vous. Machoke. Polichombre. Un Pikachu. Ça, c'est, je crois que c'est bien les Pikachu. Je vais regarder, je le garde lui de côté. Ça, c'est une reverse. Dommage Pump. Ouais, bon. Ça vaut rien. Ça, c'est quoi? C'est Dolman. Dolman, mais avec un contour spécial. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas si ça. Je sais pas, ça vaut quoi, ça? C'est lui qui est rare. Énergie, on s'en fout. Blindalice, Capidestre et Blizzard. Fait, elle est trop stylée ce pack. Quoi. Avec Gardevoir en Shiny. Je pense que si je pouvais juste avoir la carte de ce celle-là, ça me ferait grave plaisir. Alors du coup. Fantominus. Zoroa. Je sais plus Canton. Je sais plus comment il s'appelle. Ah lui j'aime bien lui. Mucuscule. Lui c'est lui la reverse. Non mais de côté. Monsieur Mime. Ah c'est lui qui est rare, c'est le Monsieur Mime du jeu. Parce que je sais pas si vous avez joué au jeu, mais c'est lui là qui est à l'entrée de la map. Kytosaur. Spectrum. Ok, et ça, je sais pas c'est quoi. Ah oui, c'est Tétartre. Oh, c'est fou. Ça m'a saoulé de ouf, ça me garde. Titar. Mystèrbre. Caninos. Dissui. Nanani. Nanan. Wouah, putain! Ah, let's go! Ah, let's go! Allez, ah, je m'y attendais pas. Un petit ectoplasma full, je sais pas quoi. Trop stylé. C'est l'ectoplasma des méchantes, en fait. Aïe, aïe, aïe. Attends, ça, je vais le mettre direct dans une sleeve. J'ai trop peur. Lui, il y a peut-être moyen qu'il vaut quelque chose. Lui, il y a peut-être moyen. Putain, je me suis spoilé. Un Pikachu. Lipoutou. Finissir, je crois. Mystère. Ludovic, je sais pas quoi. Oh putain! C'est la Gardevoir! Oh, je suis trop content. Putain, mais là, c'est bien. Oh merde! J'avais pas vu, tu vois. Et Nomorus ou je sais pas quoi. Aïe aïe aïe, putain, let's go. Il est trop bien ce pack. Après, encore une carte bizarre là. Ça, faudrait que je regarde un petit peu, ça vaut quoi? Avec le contour. Après, le reste, on s'en fout, hein. Capidès et Cocoon. Oh, let's go. Je suis trop content. Vas-y, let's go. Hein. Alors, Bargantua. De Hisui. Lui, j'ai bien aimé, vu qu'il est une évolution. Hippopotamus. Magpitar. Kyomir. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je les aime bien. Parasect. C'est lui qui est spécial et en rare Mimiki. Bon. Et après, un petit Rhinophéros et un petit Roserade. Bon, ils sont sympas. Mais sans plus. Un carton. Rocabo. Otaria. Voilà. Zoroa. Blizzy. Pachoke. Ah, c'est une spéciale. C'est la reverse. En mode un peu foulard ou je sais pas quoi. Obu. Ça c'est cool. Ah putain, et la rare, c'est un Papinox de merde. Ah. Papinox, fais voir après c'est quoi. Ah putain. Bon, on n'aura pas eu le Giratina. Voyons voir. Vous voyez, par exemple, c'est les alternatives. Comme ça, là, ultra, ultra stylé. Ouais, putain, là, on va commencer à toucher du moins de cette balle. Hein. Aïe, 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 ça fait mal au cul, hein, moi je te le dis. Ouah, Kabu! Ok. On l'a. 5 balles. 5 balles. Ça fait mal. Par là où ça passe. Ah, Anovenus. On l'a. 3 balles. Donc ça fait 8 balles. Terra. Bizarre, Spirit Bomb. Putain, moins d'un balle. Bah ouais, bah ouais. Putain, le Pikachu Reverse.
Il est bien en reverse. Ah, le petit garde-voir quand même. Un balle. Il est où? Bon, regardez, on a retrouvé un ectoplasma un petit peu similaire qui est à 7,39. On va se fier à ça parce que, bah, 7,39. Parce que, bah, j'ai pas trouvé sur le site là où j'étais. Donc, on va se référer en fait à un random. Hein. On n'a pas vraiment le choix. En revenant un petit peu à tout ça, les cartes les plus rares que j'ai à peu près celle-là à 5 balles. Ok. J'ai celle-là qui vaut 3 balles et quelques. Le petit ectoplasma là qui vaut 7 balles et quelques. Tout le reste, ça vaut quoi? 1 balle. Et puis tout le reste, ça vaut quelques centimes. Donc on est au total, voilà, il faut le dire, bah, le rendu est pas si ouf que ça. On est à 17,94. Nous ne sommes malheureusement pas rentables. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Ça m'a fait plaisir en fait d'ouvrir ce petit pack de cartes avec vous, les gars. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous en voulez d'autres, si ça vous a intéressé. De toute façon, je verrai ça par rapport aux stats. Voilà, je sais très bien que c'était un petit peu le bled, mais j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un dislike, à vous abonner, et puis n'hésitez pas à faire ce que vous voulez de votre vie. Allez, tchuss les rails, allez, tchuss!